entier. On va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. À l'affiche aujourd'hui, la Croatie contre l'Angleterre. Bonjour et merci de nous retrouver, Darren Tulette et moi-même, Grégoire Margoton, pour le match d'aujourd'hui. Salut Grégoire, content de vous retrouver comme d'habitude en espérant assister à du beau jeu aujourd'hui. Et on ne vous l'a pas signé, Chamberlain. La passe était parfaite, c'est du gâchis. Il va s'en vouloir d'avoir manqué ça, c'était une occasion en or. Ce sera le premier corner du match. De la tête! C'est dégagé loin. Ouf, un peu d'air. Et ils vont effectuer cette touche. Smalling. Cahill. Le ballon est perdu, il va falloir revenir. Kane. Il glisse le ballon en profondeur. Le long dégagement du gardien. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Chamberlain. Dans la profondeur, il frappe. Oh, le gardien est là, la classe. Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Attention, c'est dangereux. Ils ont pris l'ascendant dans cette rencontre, mais pour l'instant, ça ne se reflète pas au tableau d'affichage. C'est vrai qu'ils sont bien dans ce début de match. Ils ont déjà quelques tirs à leur compteur et ça pourrait bien finir par payer. Cahill. Alors, que va-t-il faire? Sterling. Il écarte, il joue sur l'aile. Il l'a vu. Chamberlain. Au but pour l'Angleterre. Ça y est, ce match est vraiment lancé. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Bien, ça fait 1-0. C'est fait, ils ont ouvert le score, mais il reste encore beaucoup de temps dans ce match. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Jordan Henderson, qui est récompensé de son pressing. Badelj. Brozovic. Oxlade-Chamberlain. Kyle Walker. Oh, voici Kane. Ça peut faire mal. Oh, il bute. Le but. Ils font le break dès ce début de match. Ça part fort. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Modric. Jordan Henderson, qui a de l'espace. Quel timing dans l'interception.
Badels. Et un contact qui n'était pas régulier. Coup franc. Il poursuit son effort dans l'axe. C'est récupéré facilement. Brozovic. Badels. C'est bien la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. La Croatie qui essaye de construire. Oh, il a pris des risques, ce sera un coup franc. Rakitic! La Croatie qui cherche l'ouverture. La passe dans la profondeur. Il a pris tout le monde de vitesse. La tentative. Techniquement, c'est superbe, mais ça ne donnera rien. Quelle inspiration. Repiquer dans l'axe comme ça, c'était génial. Et la tête. Une autre chance. Et c'est le but. Ils enfoncent le clou en marquant rapidement un autre but. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Perisic, la passe en retrait vers son défenseur. Modric, et il tombe sous la pression. L'Angleterre qui a quand même marqué deux fois en 10 minutes. La faute. Carton jaune, oui, c'est logique. Alors là, soit il a surestimé ses talents, soit il n'a pas réfléchi. Une faute, ce n'est jamais anodin. Attention. Rakitic, dans l'espace. La belle interception. Sans se poser de questions. La Croatie qui cherche l'étincelle. Rakitic. Brozovic. Oh, Mandzukic. Rakitic qui cherche une solution. Oh, voici Kane. Ça peut être extrêmement dangereux. Oxlade-Chamberlain. Un ballon intéressant. Il tire. Oh, Subasic, quelle intervention! Le gardien s'interpose avec brio. La contre-attaque était pourtant parfaitement menée. Ils auraient mérité mieux, c'est dommage. Ce centre ne trouvera personne. Il enroule ce ballon dans la surface. Un long ballon vers l'avant. Oh, Mandzukic. Il allonge. Non, il est signalé hors jeu. Coup de sifflet, fin de la première mi-temps. Bon, on va rester prudent et rappeler qu'il y aura une seconde période à disputer. Mais 3-0, ça laisse une marche plutôt confortable quand même. Eh bien écoutez, il faut être honnête, on ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commente. Et là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. C'est un avantage certain, 3-0. Le temps de finir votre analyse, le jeu a déjà repris. Il est lancé vers le poteau de corner. Oxlade-Chamberlain, qui est bien placé. Quelle détente! Perisic. Rakitic. S'il le trouve... Cahill, qui ne résiste pas au contact.
Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, c'est chaud. Quelle occasion. Attention. Poteau. Il y a danger. Non, ça manque d'application. Rakitic. Modric. Belle passe lobée. Faut que ça va partir vite. Kane qui choisit le côté gauche. Débordement côté gauche. Un bon centre dans la surface. Un grand dégagement le plus loin possible. Et c'est directement récupéré. Il file côté droit. Il centre encore. Ça peut être dangereux. Encore une chance. Rakitic. Quelle passe. Mandzukic. Avoir besoin de soutien là. Il écarte le jeu. Il a du champ sur le côté. Et bonne intervention. Sterling. Oh, il a bien vu son coéquipier. Repiqué dans l'axe peut-être. La Croatie qui ne manque pas de monde, en tout cas dans l'axe. Je pense qu'ils craignent surtout les centres. Et dans ce genre de situation, il vaut mieux être nombreux. Pour trouver la faille, attention la frappe. Brozovic. L'ouverture lumineuse. Ça manque vraiment de clarté. Rakitic. Badelj. En retrait pour repartir proprement. Oui, il y avait bien faute. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. L'Angleterre qui compte maintenant deux joueurs avertis. Il y en a qui disent que parfois une faute peut être un mal nécessaire. Mais là, ce n'était franchement pas le cas. Badelj. Le ballon sort en touche. Oxlade-Chamberlain, qui a déjà démontré son talent de buteur dans cette rencontre. C'est joué long, c'est dangereux. Il choisit là-bas, sur l'aile. Perisic, il a de l'espace. Perisic qui s'en... Allez, jusqu'au bout. Il était tout seul. Oh, franchement, c'était pas le plus dur à mettre, celui-là. Il en a marqué des beaucoup plus difficiles. Quel mauvais choix. Jouer long, attention. Il décide d'allonger le jeu. Modric. Rakitic. Mandzukic. Toujours pas de mouvement du côté du banc. On entre dans un moment du match où le rôle du coach peut être décisif. Rakitic. Modric. L'accélération. Il est bien la dernière personne qu'on veut voir rôder autour de sa surface. C'est un poison, c'est un véritable cauchemar de défendre sur lui. Il joue dans l'espace. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. C'est Kane qui sent... Il met la tête. Et ce problème de finition, c'était une belle action pourtant. Oh, c'était pas loin. C'est un cauchemar pour les défenses. Et si on veut le marquer individuellement, eh bien on prend le risque de laisser des espaces pour ses coéquipiers. Brozovic. Mandzukic. Un peu de maladresse peut-être dans cette perte de balle. Jordan Henderson.
L'Angleterre, qui n'a plus que quelques instants à tenir, est toujours 3 buts d'avance. Rakitic. Brozovic. Alors, que va-t-il faire? Mauvaise intervention, faute là-dessus. Et geste mal maîtrisé, logique cette sanction, carton jaune. Il y avait échappé la dernière fois, il aurait dû être plus prudent. L'Angleterre, qui a désormais 3 joueurs avertis. Mandzukic. Ça manque un peu de solution. Tant qu'on le garde dans le but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Ça monte en intensité, là. Kane. Oh, très bon ballon. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Oh, la frappe! Et ça fait but! C'est une véritable leçon de football qu'ils sont en train de leur donner. Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au bout, il y a but. 2 buts déjà dans ce match. Il a fini de s'échauffer. Il va pouvoir rentrer en jeu. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que le voir courir jusqu'à épuisement. C'est bon, il maîtrise complètement le match maintenant. Badel. Ils obtiennent un coup franc. Le voilà averti, il n'y a pas grand chose à redire. On se rassemble autour de lui, histoire d'évaluer la gravité de la blessure. L'Angleterre, qui compte à présent 4 joueurs qui ont reçu un carton. Modric. La Croatie qui cherche l'ouverture. Ils s'en sortent. C'est fini! Le match est terminé! Beaucoup de points positifs, bien sûr, à l'issue de cette rencontre, à l'issue d'une telle démonstration. Tout ce qu'on peut dire déjà, c'est que cette large victoire est totalement logique.